enfin là les amis, l'épisode numéro 2 de Amazing Digital Circus officiel cette fois-ci. On va aller regarder tout ça et petite nouveauté, on a les voix en français. Si ça c'est pas incroyable les amis, franchement c'est vraiment masterclass. Bref, j'espère que vous êtes prêts, on est parti pour regarder tout ça, ne perdons pas plus de temps. Let's fucking go. On est parti les amis, let's go mon gars, la ruée vers le sucre. Oh, Pomni Kane. Glitch, let's go. Oh là là, trop bien. 25 minutes, hein, ça dure, hein, ça va être incroyable. Bienvenue à l'incroyable cirque numérique. Pomni. 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 Voilà. Pomni. Oh, réveille-toi là. Oh. Oh. Voilà. Encore dans le cirque? Y a quelqu'un? Oh. Oh, pourquoi elle est toute seule? Qu'est pas ça. Voilà. Si, hein. Oh, un virus. Non, 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 Kane. Au secours. Aidez-moi. Arrête. Oh. C'est incroyable, il y a les voix. La voix française de Pomni. Ah. Oh. Aidez-moi. Non. On dirait que notre nouvelle amie a déjà été corrompue. Eh ben, on dirait que certains sont plus fragiles que d'autres. Honnêtement, je me souviens même plus de son nom. C'est un cauchemar. C'est sûr, certain, c'est un cauchemar. Elle va se réveiller. Non. C'est la fin du monde. Wow. Ça m'a fait peur. Ok, c'était bien un cauchemar. Et heureusement d'ailleurs. Ma pauvre petite Pomni. Oh. Salut Pomni, bien dormi? Ah, la voix de Ragata. T'es déjà debout? Prends ton temps si t'es pas prête. Te voilà. Oh. J'espère que ça va. Je sais qu'hier c'était une sacrée expérience. Une expérience? Expérience? Mais t'en fais pas, je t'en veux pas de m'avoir abandonné pour essayer de partir. C'est totalement compréhensible. Tu traversais une épreuve très difficile et c'est sans rancune. Tout va bien. Ah oui, je m'en rappelle, Pomni avait essayé de s'échapper du cirque. Bon, oublions tout ça alors. Kane a prévu une nouvelle aventure aujourd'hui, et vu ce qu'il nous a annoncé, je pense que ça va être assez amusant. Nouvelle aventure? L'aventure du jour s'appelle Confusion au Canyon Confit. Et what? Oui, le royaume du Canyon Confit a été dépouillé de sa ressource la plus précieuse, le sirop d'érable. Ah, le sirop d'érable, c'est trop beau. De ces vilains bandits et de les livrer à la plus sucrée des justices. Un royaume fait entièrement de sucre? Ça a l'air collant. Oui, très collant, en effet. Ça a l'air... Stylé. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Bubble, ça se dit pas, ça. Aïe, je crois qu'il a dit des gros mots, les amis. Attends, j'essaye une nouvelle IA cette fois. Ça devrait être 57 fois plus immersif. Oh, une nouvelle. C'est très précis. Tu peux pas jouer avec la nouvelle IA, Zoubette? Ouais. Non. Jax, toujours aussi malsain. Oh, ça a l'air marrant. Qu'est-ce que t'en penses, Pomni? Donc, toute notre existence ici se résume à faire du RP? Ah. Alors... Qu'est-ce que vous faites encore tout cela? Le royaume du Canyon Confit a besoin de vous. Le Kiki? Le royaume du Kiki? Wesh! Il les a téléportés comme ça en mode balestèque? Donc là, ils vont au canyon, c'est ça? Une espèce de royaume de bonbons? Moi aussi, j'essaie d'arrêter. Oh! Oh, c'est trop beau! C'est de toute beauté! Oh! Je dirais les chevaliers de la... du royaume, genre. C'est incroyable. Oh. Et là, c'est que des hommes bonbons tout autour. C'est des espèces de pantins bizarres. Bravo. Bravo, bravo. Vous avez rien fait, mais bravo. Bravo. Mec, c'est incroyable. Regardez, le, c'est même pas un cheval. Je sais même pas ce que c'est. Je dirais les bonbons en gélatine, là. C'est trop bon, ça. Waouh, c'est trop stylé. Waouh, Kinga, regarde ce château. Il est magnifique. Ils ont même des insectes en bonbons. C'est si joli. Oui, j'adore cet endroit. Regardez, c'est la princesse. What? Ah, oh! Vous devez être les valeureux chevaliers envoyés par Dieu pour nous tirer de cet incident malheureux. Voilà. C'est nous, madame. J'adore votre royaume, d'ailleurs. Trop mignon. Je vous apprécie déjà. Regarde, Pomni, on s'est déjà mis la princesse dans la poche. J'ai plus 50, t'as pas besoin de jouer les tatas. J'imagine que vous connaissez déjà votre mission. Les malfrats qui nous ont attaqués possèdent un camion débridé. Donc nous avons pensé que pour les affronter, vous auriez besoin de votre propre camion de guerre. Oh.
Oh, c'est quoi ça? La violence. Vous êtes à quelle époque déjà? Voici la clé pour rentrer au royaume quand vous aurez récupéré la marchandise. Ne la laissez pas tomber entre de mauvaises mains. Comptez sur moi, votre Altesse. Mais vous récupérez la marchandise et revenir. Tranquille, loulou. Je monte devant. Même le camion est en gâteau et en bonbon. C'est nul. Gengel, tu conduis. Je suis mort. Au revoir, j'sais pas pourquoi. Chevalier. Tu vois pourquoi elle est... foi en votre réussite. Elle est malsaine un peu, non? Je sais pas, elle a une tête, ça ne m'inspire pas trop confiance. Mais du coup, on sait pas comment elle s'appelle. C'est la princesse du royaume, voilà. Oh, regardez, derrière, le camion, il est fait en chocolat. Ah, mais c'est littéralement une bûche de Noël qu'il y a derrière. Let's go, ils vont aller récupérer la marchandise. Voilà, eux, c'est des bandits, eux. Ta mère va s'en sortir si on ramène tout ça au village? Bien sûr que oui. Tout ce sirop pourrait sauver des tas de gens. On peut pas en être sûr tant qu'on sera pas au village. Mais c'est une battante. Elle m'a appris tout ce que je sais. Hey, c'est incroyable. Fini la détente, les gars. Ils ont envoyé quelqu'un à notre hausse. Attends, mais c'est carrément les crocodiles là, de bonbons. C'est les bonbons crocodiles. Eux aussi, ils ont un camion. Je suis sûr, ils vont essayer de les intercepter. Du coup, Gengel, quand on les aura rattrapés, je vais sauter, entrer dans le camion et tirer jusqu'à ce que leur mère ne puisse pas les reconnaître. Je crois que ça va à l'encontre d'une ou deux conventions. Et toi, tu vas à l'encontre de mes oreilles avec ton clapet. Fais ton taf de chauffeur. Bon, Pomni, il doit bien y avoir un moyen pour que tu puisses nous aider. Peut-être que quand on les aura rattrapés, tu... Il faut se montrer ferme. Comme ça. Wesh. Jax. Complètement fou, Jax, hein. Oh. Ah bah c'est le camion des malfaiteurs. Ah, c'est parfait. Surtout, ne bouge pas, je vais chercher un truc. Jax, t'es qu'une... Je crois qu'il y avait un bazooka par ici. Je crois qu'elle l'a insulté. J'ai un mal fou à mettre la main dessus. Pomni, attrape. Ah la voilà. Allez Pomni, reste comme ça. Je vais balancer une bouée de sauvetage. Il est complètement fou. Bah voilà. Bravo Pomni, maintenant j'ai plus de peau. Ah, je te tiens. Oh, son mes bras sont trop courts. Ses bras étaient trop courts. C'est incroyable. Ça sent pas bon. Voyons comment leur camion s'en tire sur ces rochers. Oula. Mes bras sont trop longs pour changer de mode. Il y en a, c'est trop court et là c'est trop long. Wow. Incroyable. Et il fait des figures. Là ou pas. Il fait des figures de style. Je suis pas sûre. T'es pas censée être soumise et malléable. Bouge-toi. Oh la pauvre. La pauvre. Ils veulent vraiment pas lâcher l'affaire. Hé, hey, arrête de faire l'idiot et reviens par ici. Il est toujours bloqué avec ses figures. Est-ce que tout le monde va bien? Tu peux répéter la question? Je l'ai mal entendu à cause des couteaux. Hé, hey, Gengel, et si on les percutait? Quoi? Non mais ça va pas la tête. Pauvre Gengel. Toujours là-bas. Hein, mais Jax, il est complètement fou, hein. Il y a autant de couteaux là-dedans. Fais-le ou je parle à Rabiata de la figurine. Wesh! J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais vous allez me tuer! C'est des cinglés, ceux-là! S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir! Wow! Fini les camions tamponneurs! Les gros pics sur le camion! Tu dire à Ragata, du coup! Quoi? T'es toujours là, toi? Les gars! Pomni, attrape! Mais arrête avec ça! Elle n'est pas à la mer! C'est pas possible, Kinger! Cette corde, elle est attachée à quelque chose? Bonne question. À son pied, c'est sûr. Oh, c'est au camion, non? Heureusement que c'est une poupée, hein. Parce que là, elle s'est pris un pic dans la... Ouh. Oh lolo. Oh, dans le chocolat. Non, c'est ta faute. Jax qui rejette la faute sur les autres à chaque fois. Voilà, par contre, Pomni... Voilà. Voilà, c'est un bug, là. Ouh. Ah bah, au revoir, le camion. Il tombe boule, hein. La chute la plus longue du monde. Voilà. Il est où? Les gars. Voilà, je le sens mal là pour lui. Même si de base c'est un méchant, je le sens mal pour lui. Il y a quelqu'un? Le petit crocodile qu'on mange à chaque fois là.
Les paquets de bonbons, c'est super bon en plus. Putain, mais c'est un labyrinthe, c'est quoi? Oh, what? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est les modèles de tous les personnages? What? Ah mais bouge pas, c'est juste des modèles. Ils sont pas vivants. À mon avis, il a dû aller dans un bug ou un truc comme ça. Voilà. J'avoue que c'est quand même bizarre de voir soi-même comme ça là. Mais t'inquiète pas, mon petit kiki va pas bouger. Enfin, j'espère. J'avoue que c'est flippant quand même. Avec ces gros nonneuils là. Oui. What? Ah bah oui, Pomni aussi était sur le camion. On est où? Oh. C'est quoi tout ça? Je sais pas. On est quelque part sous la carte, je crois. Ah, c'est pour ça, ils ont bugué. Ah, c'est pour ça que le camion il a bugué en fait, sur les en dessous de la map. Et ton équipe, vous êtes pas là, hein? Je sais pas trop. Peut-être parce qu'on n'est pas des PNJ. Des PNJ? Mais qu'est-ce que tu racontes? Personnage non joueur. Qu'est-ce que vous êtes? Ah. Qu'est-ce que je suis? Oh, question existentielle. Où est Man? T'as une mère? Pourquoi elle est pas là avec tout le monde? Je me souviens même pas de son visage. Est-ce qu'elle a un visage? Est-ce que tout ça est réel? Ok, calme-toi. On va parler d'autre chose. Il se pose des questions un petit peu trop existentielles, là. Peut-être qu'il y a un moyen de nous propulser assez haut pour retrouver les autres. Ah oui, il y a le camion à côté, ouais. Ah là, il fait une crise de panique, calme-toi. Oh, c'était le gros truc. Franchement, qu'est-ce que je suis exactement? Tu es un crocodile bonbon et tu es très bon, honnêtement. Moi, j'aime bien. Faire en gélatine, moi j'aime bien, c'est bon. Bon! Du côté de Jacques et ses amis! Est-ce que tout le monde va bien? Non! Ouais, c'est sûr que non. Pauvre Pomni, j'espère qu'elle s'en sortira. Pauvre Pomni? Pauvre de nom, ouais! Sans ce camion, on serait déjà devenus des chocolats de Pâques! C'est vrai. Oh non! C'est quoi ça? Donc, je n'en crois pas mes yeux. Un délicieux présent tout droit sorti du château. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du calme! On n'est pas comestibles! On n'est pas des bonbons! On n'est pas mais... bons tout court! Vous allez c'est des boules de mammouth qu'il a là, je suis mort! Vous n'êtes pas des bonbons? Je ne suis pas censé manger des choses qui ne sont pas en sucre. Désolé. Ah. Omni n'est jamais là pour les gros monstres gluants. Vous êtes qui, au juste? Je suis le Fudge. Le Fudge? Je suis jadis au sein du royaume, mais cette maudite princesse m'a banni parce que je ne pouvais pas m'arrêter de dévorer tous les délicieux villageois. Oh, ils étaient si succulents. Ah bah oui, parce que les villageois sont en bonbons. Ils ont appelé mon nom. Il est complètement ma boule, hein. Vous êtes un tueur en série. Est-ce un meurtre si c'est délicieux? Je vous donne 4 heures. Je suis absolument d'accord. Mais ça va pas. Mais forcément, Jacques, qui est complètement fou, il est d'accord avec lui. Tu ne convaincras personne avec tes cheveux en réglisse. Oh, c'est vrai que ça y ressemble. Stop! Mon cher monsieur Fudge, vous m'avez l'air honnête et doté d'objectifs fort louables. Oh non, il y a méprise. Si tu savais ce que je fais de mon temps libre, oh, t'en serais malade. Comme je le disais... Je veux pas savoir. Sachez que je sais comment entrer dans l'enceinte du royaume si vous acceptez de nous aider en retour. Hé, hey, quand est-ce que... La ferme tête de réglisse. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et super méchant, Jax. Vous êtes des experts dans l'art du crochetage. Venez me libérer de ma cage chocolatée. Exact. Ah. Tout ce dont on a besoin, c'est que vous nous aidiez à livrer des truands à la justice. Ah, il veut passer à un marché. Voilà. Ah, mais c'est le camion des autres. M'a fait un clin d'œil. Qu'est-ce que j'ai raté? Attends, mais pourquoi le camion il y est deux fois? Ah bah parce que c'est le modèle du camion, mais oui. Comme c'est le modèle. Ok. Il y est aussi là le camion. Je comprends. Je me demandais pourquoi il y avait deux fois le camion. Ah. C'est cassé.
Est-ce Donc là, ils vont passer un... Ils vont passer un contrat avec l'autre, là, le gros gluant, là. Toujours... Déprimé. Il est déprimé, là. Et là, il va pas bien du tout, là. Est-ce que ça va? Non. Oh, fait de la peine. Est-ce que tu veux en parler? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux juste pas te laisser comme ça. Pourquoi? Ma vie n'a aucune importance. Oh, mais... Je ne suis rien. Ma vie, mes souvenirs, mes amis... Rien n'est vrai. Mais c'est triste! Mais si c'est vrai, mon petit croco! Essaye de faire du mieux qu'elle peut. Va te paraître bizarre, mais... Je crois que je sais ce que ça fait. Enfin... Peut-être pas exactement ce que ça fait... Mais se sentir aussi vide, c'est... assez normal. Enfin, les gens se sentent aussi comme ça dans le monde d'où je viens. Bah oui, parce qu'elle, de base, c'est un humain. T'aimes toujours tes amis là-haut, n'est-ce pas? Je suis certaine qu'ils t'aiment aussi. Qu'est-ce que ça change? Quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'on est? On n'est que des obstacles. Conçus pour être surmontés, puis oubliés. Tu sais... Tu peux être autre chose. Le cirque, c'est là d'où je viens. Enfin, je viens d'ailleurs, à la base. Mais... Si ça doit être ma maison... Ça pourrait être aussi la tienne. Les gens là-bas sont... intéressants, c'est des... C'est mignon. Peut-être... Elle a un bon cœur, hein, Pomni, en vrai. Hein. Que de base, c'est un méchant, hein. Tu pourrais toi aussi exister là-bas. Pourquoi tu me remontes le moral? Je comprends pas ce que ça peut t'apporter. Je crois que je veux juste pas que tu te sentes inexistant. À vrai dire, je souhaite ça à personne. Mais je suis même pas une personne. Y aurais-je ma place? C'est triste. Je vois pas pourquoi ce serait moins ta place que la mienne. Et... On pourrait être amis. Amis? T'es vraiment un drôle de personnage. J'imagine qu'on peut essayer. Tout ce que le méchant devient gentil. Rien aux gars. C'est une bande de joyeux lurons. Et je veux pas les mettre dans le même état que moi. Oui, je peux comprendre. D'ailleurs, comment tu t'appelles? Gamigo. Oh, c'est... Gamigo? Aussi débile que mon nom à moi. Alors, qu'est-ce que t'avais en tête pour nous sortir d'ici? Je sais pas. On peut peut-être essayer de faire glitcher le camion là-bas. Je sais pas trop comment on pourrait... Ok. C'est juste une idée en l'air comme ça. Elle va utiliser les cubes, elle va foncer sur les cubes. On peut essayer autre chose. Vas-y, c'est toi l'experte. Pas vraiment, non. Voyons voir ce que ça donne. Ah, elle a mis les cubes en dessous du camion. Ça risque de secouer un tout petit peu. Why? Ah oui, ça l'a fait glitcher, du coup ça l'a propulsé d'un coup. Et des fois c'est ce qui se passe dans les jeux vidéo, les amis, quand ça bug, boum, tu vas dans les airs comme ça, d'un seul coup. Ça c'est déjà arrivé sur Fortnite, je m'en rappelle. Je m'en rappelle encore, hein. Ok, en fait ils étaient en dessous de la map. Là, normalement, t'es pas censé voir tous ces modèles bizarres là. Et du coup, faut qu'ils reviennent dans la map, en fait. Hop là. Vers le haut, mon gars. Vers l'infini et l'au-delà. Ça met du temps, quand même. Je suis mort. Je trouve cette aventure tellement décevante. Pourtant, il y avait du potentiel. Mais tu t'attendais à quoi? Bah, tu sais, un grand affrontement final. Bain de sang, mort, chaos. Ce genre de choses. Mais lui, il est complètement fou. Ils sont disparus? Ils sont pas juste tombés ou quelque chose comme ça? Je peux pas en être sûr, mais ouais, c'est certain. C'est la première fois que le boss disparaît avec un clown. C'est pas son genre. Eh bien, avec un c'est... clown. Inquiétant. Si les choses tournent au vinaigre, on peut toujours demander à Kane de la retrouver. J'ai surtout peur qu'elle revive une expérience horrible. J'ai l'impression qu'elle est toujours fâchée de ce qui s'est passé hier. Je crois qu'elle ne m'apprécie pas trop. Ce qu'elle vit est difficile à encaisser. C'est rien de personnel. Je me rappelle le temps que toi, tu as pris pour t'adapter. Oh. Oui. Et pourquoi il a un seau sur la tête? Ça me surprend que tu t'en rappelles. Rappeler quoi?
Mais forcément, lui, il a mémoire de poisson rouge. Ah! Vous avez un deuxième camion qui vole? Ouais. Non, en fait, non, on en a pas. Ouais! Voilà ma fin. Voilà ma fin. Oh non, il est mort! Ah! T'as pas pu garder ton 4. Toi aussi, mon gars. Je suis mort. Mais c'est quoi ça? Du chocolat! Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça va. Je me suis fait un ami. Ah, ça t'était passé où? On s'est fait ganacher. Vous voulez Ah, mais c'est le boss? C'est bon pour voir, les gars. Ah, j'avais pas compris que c'était le boss des trois. Oh, pourquoi c'est trop beau. Le camion des méchants est en double. Je suis mort. Arrête de pleurer. Il est plein de sirop, lui aussi. Ah. Ah oui, ça me surprend pas. Dites, vous pensez que mes gars et moi, on pourrait ramener celui-là au village? Oui, j'imagine, vu qu'il y en a deux. Ça devrait pas poser problème. Ma déception est immense et ma journée est fichue. Tais-toi, Satan, toi tu veux du sang! Du sang, des morts et de la violence la prochaine fois. Ha ha ha, trop mignon. Au fait, voici Gumigou. Il va retourner au cirque avec nous. Oh, est-ce qu'on a le droit? Sa réalité a quelque peu volé en éclats. Je me suis dit que je lui devais au moins ça, plutôt que le laisser ici. Tu as un grand cœur, Pomme. Ramenons ce fichu camion dans ce fichu royaume, qu'on en finisse. Mais Jacques Sanson n'est jamais content, lui. Grâce à vous, Chevalier, notre royaume va de nouveau prospérer. Ouais. J'imagine que c'était pas de la tarte. Vous n'imaginez même pas. Adieu, Chevalier. Merci de me charger d'exécuter ce malfrat. Oui, ce sera fait sans doute. Ouais, bien sûr, t'inquiète, on va l'exécuter. J'ai pas laissé la porte ouverte pour rien, on dirait. Hein? Oh non. Pourquoi oh non, y'a. Y'a l'autre qui revient. Mais il est sérieux, Jax, il a ouvert la porte pour lui. Bon retour parmi nous, bande de hamburgers endurcis. Alors c'est ça le cirque? Il fait bon vivre, je trouve. Oh, on dirait qu'un de ces petits gars s'est fait la malle. Attends, quoi? Oh non. Attends, quoi? Je sais que vous adorez ces PNJ, mais si je commence à les confondre avec vous, les humains, qui sait ce qui pourrait arriver? Mais c'était son ami! Tu l'as tué! Elle devient folle! Bon, et si j'allais boire un grand verre d'eau? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça! Quoi? Pas trop tôt, je pensais qu'il partirait jamais. Je suis sincèrement désolée, Pomni. Au moins, t'as essayé. Tu sais, peut-être qu'on le reverra dans une prochaine aventure. Sa tête. Je sais que Kane réutilise parfois certains PNJ. J'ai tout préparé. Hé hey, ah. Tu veux assister aux funérailles de Kofmo, au moins? On organise toujours une petite cérémonie quand quelqu'un a été corrompu. Oh. Celle de Kofmo a dû être un peu décalée avec ton arrivée. Ah, je me rappelle même pas, Kofmo, il était... Honorer leur mémoire. Celui qui mange tout le temps, là. Le clown. Je me rappelle même plus qu'il était... corrompu. Je me rappelais plus du tout. Mais en même temps, ça fait 6 mois, mon gars. Bon sang. J'ai toujours l'impression d'être prête. Mais dès l'instant où tu mets la photo, je fonds en larmes. Oh non, c'est triste. Et dans cet épisode, on est passé par toutes les émotions, hein. Franchement, Jax, il va même pas faire de discours. Ouais, j'en étais sûr. Jax, il a même pas fait de discours. Oh. Mais ben Jax, il est même pas là, en plus. Mais il est où, Jax? En vrai, c'est stylé, hein. Et franchement, le cirque, il est vraiment incroyable, hein. Qu'est-ce que j'adore cet univers! Et ben voilà! C'est la fin? C'est la fin ou pas?
Eh oui, c'est la fin! Let's go! Et ben voilà les amis, c'est la fin de cet épisode, l'épisode numéro 2 de Amazing Digital Circus. On aura attendu quand même 6 mois pour la voir. Et ben honnêtement, c'était masterclass. C'est incroyable les amis, franchement, j'adore cet univers, j'adore tous les personnages, j'adore la musique, j'adore chaque personnalité de chaque personnage. C'est vraiment incroyable. J'espère que ça t'a également plu. Si c'est le cas, tu peux me le dire dans les commentaires. Si vous avez des hypothèses sur ce qui va se passer par la suite, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Je pense que par la suite, on va avoir encore une autre aventure à faire et à mon avis il y aura du sang comme dit Jax, mais Jax il était même pas là pendant les funérailles de Kofmo, il est vraiment insupportable ce mec. Bref, nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis, c'était Wissam, gros bisous à la prochaine, ciao ciao.